Nous voici au cinquième jour de la quatrième semaine. Et nous allons voir le psaume 42. Like as the heart is there as the water brooks, so longeth my soul after thee, O God. My soul is athirst for God, yea, even for the living God. When shall I come to appear before the presence of God? My tears have been my need, day and night, while the daily say unto me, Where is now thy God? Now when I think thereupon, I pour out my heart by myself, for I went with a multitude and brought them forth into the house of God, in the voice of praise and thanksgiving, among such as keep holy day. Why art thou so full of heaviness, O my soul? And why art thou so disquieted within me? Put thy trust in God, for I will yet give him thanks for the help of his countenance. My God, my soul is vexed within me. Therefore will I remember thee concerning the land of Jordan and the little hill of Hermon. One day calleth another, because of the noise of the water pipes. All thy waves and storms are gone over me. The Lord hath granted his loving kindness in the daytime, and in the night season did I sing of him, and made my prayer to the God of my life. I will say unto the God of my strength, Why hast thou forgotten me? Why go I thus heavily, while the enemy oppresseth me? My bones are smitten asunder, as with a sword, while mine enemies that trouble me cast me in the teeth. Namely, while they say daily unto me, Where is now thy God? Why art thou so vexed, O my soul? And why art thou so disquieted within me? Oh, put thy trust in God, for I will yet thank him, which is the help of my countenance and my God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Le psaume 42 est un cri sincère adressé à Dieu pendant les périodes de profonde soif de renouveau. Historiquement, le psaume 42 est attribué au fils de Corée,
qui était un groupe connu pour son rôle dans le culte du temple. Ce lien avec les services du temple souligne la signification liturgique de ce psaume et son aspect communautaire, en résonance avec ceux d'entre nous qui aspirent à une expérience de culte communautaire plus profonde. Le verset d'ouverture n'est pas seulement poétique, c'est une représentation vivante de notre désir le plus profond de Dieu en période de sécheresse spirituelle. Ce psaume est souvent lié à des périodes d'exil ou de séparation du temple, reflétant une époque où la distance physique avec l'espace sacré reflétait une dislocation spirituelle intérieure. Le désir de Dieu, exprimé à travers l'imagerie de la soif, témoigne de nos propres expériences de sentiments d'éloignement de la présence de Dieu. Ce psaume ne décrit pas seulement un désir occasionnel, il s'agit d'une soif désespérée qui ne peut être étanchée que par la présence de Dieu. Nous parlons d'un désir au niveau de l'âme, du genre qui vous ronge dans les moments difficiles. Et c'est dans ces moments, à travers ce désir intense, que nous nous rappelons notre dépendance à l'égard de Dieu pour l'épanouissement et la paix. Le psaume 42 s'adresse directement au cœur. C'est comme une lumière dans l'obscurité pour ceux qui se sentent perdus ou dépassés. Ce psaume ne vise pas seulement à exprimer nos désirs les plus profonds. Il s'agit de trouver l'espoir dans le désespoir. En adoptant la pratique du discours intérieur, nous apprenons à naviguer avec foi dans nos moments les plus sombres. Se souvenir des actes de fidélité passés de Dieu devient notre lueur d'espoir, nous rassurant sur sa présence inébranlable. Faisons alors avancer ces idées, leur permettant d'éclairer nos chemins alors que nous parcourons les flux et reflux de notre voyage de foi. Prions. Dieu notre Père, dans nos moments de doute, fais-nous nous souvenir que tout ce que tu nous as fait traverser, en mettant notre foi en toi, nous pouvons avoir une lueur d'espoir. Enseigne-nous l'importance de nous rappeler ta fidélité passée, car ce sont des souvenirs qui alimentent notre foi, nous rassurant que, comme tu as été fidèle auparavant, tu le seras aujourd'hui et demain. Avec foi, nous prions. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, pourquoi selon vous est-il important de se rappeler de la fidélité de Dieu? Deuxièmement, pensez-vous que le psaume 42 peut apporter du réconfort dans les moments difficiles?